M3 Béton, c'est une entreprise familiale parce que j'ai mon frère qui travaille avec moi au quotidien, puis on a notre famille qui s'implique beaucoup. J'ai la chance de me spécialiser sur une matière, donc évidemment, ça fait de moi un designer de béton. C'est une matière très, très noble, minérale, c'est une matière très tactile. Pour des designers, des qualités comme ça que les objets dégagent, c'est super important. Moi, je pense que j'ai la meilleure matière pour travailler, c'est certain. Au départ, on faisait du sur-mesure. On était surtout dans le résidentiel. Avec les équipements qui grossissaient, avec l'équipe qui était de plus en plus formée, on avait besoin d'un peu d'argent. On ne pouvait plus faire avec nos fonds personnels. Finalement, ce qu'on est allé chercher de l'aide avec les jardins, c'est un nouveau programme, ça s'appelle Créer Avenir. Puis il me dit, c'est même pas un prêt, c'est une subvention. Subvention, et ça, c'est un cadeau. Pour nous, ça permet d'embaucher la première personne dans le bureau pour me libérer, pour que je puisse aller faire des ventes, pour qu'on puisse répéter les pièces et pas les faire à l'unité. Et puis ça, ça s'est produit à peu près autour de 2012 qu'on a commencé à travailler sur la table de ping-pong. Nous, on l'appelle notre fameuse table parce que c'est comme ça qu'on a vraiment commencé notre gamme municipale. On voulait faire du mobilier qui était esthétique, mais on voulait aussi faire du mobilier qui était fonctionnel puis qui avait une durée de vie centenaire. Ce qui nous démarque, c'est peut-être cette spécialisation-là vers le produit urbain. Guylain, lui, dit qu'on fait les antiquités du futur. Je trouve ça intéressant comme vision. J'apprécie beaucoup le mouvement Desjardins pour ses valeurs, une valeur coopérative. Ça doit être pour ça qu'on travaille de plus en plus avec eux.